l'église, la première église baptiste à rue de la Réunion. Et dimanche passé, à la qui pouvait aller la vie et Jack l'église, ça y en a Jack qui s'est signé la faille et puis qui kidnappé madame et Jack là, bien gagné et une petite fille, mes petites filles et Jack là qui parlait avec la presse et ailleurs lundi ici là. Nous pour le permettre au côté intervention Chrisland Lafaye qui c'est petite Jack l'église baptiste rue de la Réunion qui nèg exam pour te vu la lessive qui c'est Silner Lafaye environ 3 jours après assassinat Jack l'église baptiste rue de la Réunion Silner Lafaye madame est toujours nommé bandit au petite fille Chrisland Lafaye m'a des bandits et au bail famille ça a une chance qui fait que petit plaisir mon nom même année ça Chrisland a fait connait une là d'ailleurs pas travail yo pas jamais qu'a joindre quantité l'argent ça li mande libération maman là en côté maman m'a fait papa yo aller l'église parce que papa mou de l'église là sans de ses constatations yo était à la fait maman papa me serait gérer ta service sans yo pas pour maman mais la vie c'est au papa mon quartier bon corps papa mou et ça tout de l'hôpital mais yo à la fait maman papa me fait sortir maman ça pas les 5 jours là et papa mon chéri maman avant ça encore nous pouvons gagner un an là depuis nous sommes sortis on l'autre nous encore grandement encore mes amis là toutes nos mauvaises situations nous pas mon Nous sommes tous les jours. Voilà, ça c'est cri vraiment et larme cap sorti dans j'ai de l'ampide le cap sorti dans j'ai Chrisland Lafaye lui-même et qui vraiment je dis à la qui désolé et pas gain espoir encore après le fini perdit maman et puis papa le, et puis bandi yo même et bandi aller avec maman et yo mandé gros somme l'argent pour capable libérer maman li situation ça qui est vraiment touché en pile monde dans société hein qui t'habite et captande qui t'étendait ça passé dans première église baptiste rue de la Réunion. La Fédération protestante d'Haïti qui dénonçait attaque nèg exam fait contre fidèle église baptiste rue de la Réunion dimanche passé à côté assassiné Jack assemblé ça qui c'est Silner Lafaye et puis kidnappé madame ni fédération a mandé autorité compétente pour prendre responsabilité yo pour capable freiner question insécurité ça qui blaye école en de pays. On suit un reportage avec un collaborateur nous Jean-Willer Sévère. Zak insécurité aussi tout kidnapping a retourné en force dans société haïtienne là spécialement dans région métropolitaine là la police étudiants entrepreneurs professeurs personnes pas épanier en bazak sa yo dernier cas c'est secteur religieux qui frappe une autre fois encore puis proche nous là c'est Kadia qui a promis l'église baptiste rue de la Réunion Silner Lafaye qui perdit la ville après un examen rentré en dans l'église pendant yo tout aller avec madame li avec bible normal bien costumé monsieur a tombé devant l'église. Là, une nouvelle qui choque un peu le monde, c'est au président Fédération protestante d'Haïti qui croit ces derniers gouttes d'eau pour renverser vase là. Calix Fleuridor. Fédération protestante d'Haïti qui condamne fermement à tenter de perpétrer devant l'église pour mettre une baptiste en deux points là. Donc, Fédération protestante d'Haïti, nous les revoyons pour nous condamner les gens du pratique sagré pour nous dire 7 à 6 parce que Moutel a renversé. L'État qui est absent dans le pays a depuis quelques temps, c'est principal cause d'insécurité d'après pasteur Calix et Floridor. Dans ce sens, le président FPH a demandé aux protestants pour lever le capé dans l'idée pour forcer l'autorité à prendre responsabilité. Donc nous-mêmes dans le secteur protestant, nous n'avons pas arrêté les bras croisés, nous les revoyons pour nous dire non, c'est assez, parce que le peuple a bouclé, n'est pas capable encore, ils font bon bagage qui fait pour que vague. Phénomène de sécurité ça capable de stopper et éradiquer. Mais pendant que nous sommes forcément là, nous sommes capables d'exercer influence.
pour que l'État capable de prendre responsabilité. Après ça, la Fédération protestante entend prendre une série de mesures pour accompagner Fidelio dans l'objectif pour bailler une réponse appropriée. Et nous croyons que nous-mêmes, comme autorité dans le secteur protestant, nous pas chita. Donc, pressé rapidement, donc pour nous capables d'évaluer ce qui passe, analyser ce qui passe. Et qui élément de solution nous capables de porter donc comme réponse à ce qui passe là. C'est l'État fort et puis qui gagne moyens nécessaires qui capable de résoudre le phénomène gang dans le signe de quoi Pasteur Fleuridor qui profite de lancer un pinga à tout le monde qui veut venir diriger pays sans résoudre un problème majeur ça y est, mais qui vient plein poche. Parce que si nous sommes ensemble, eh bien, nous capables de mettre ensemble, l'État capable de mieux élaborer une politique publique pour combattre la sécurité. Ça. Depuis que nous acceptons pour une point à la tête administration de l'État, c'est qu'on a un plan, une vision. L'État doit être fort. Okay. Ça veut dire que c'est l'État qui est l'élément de solution. Autorité de l'État, c'est pas ça que nous ne sommes pas capables. L'État doit créer moyens, à chercher moyens et jouer moyens. Une solution à tout problème d'ordre collectif. C'est chaque jour, bon Dieu, mettez, bandits continuent à kidnapper toute qualité citoyen. Il y a cas qui fait plus bruit que l'autre, consacré victime qui refusait parler dans la presse. Malgré certains cas kidnapping n'a fait bruit, ça n'a pas empêché bandits continuer à ferrailler sans aucun craintif. La police sous Bopal continue à lancer opération par-ci par-là pour faire qui ça, nous pas connaît. Jean Wilner Sever, Radio Mega. Il y a un réseau protestant qui a défendu Douamounio qui dit indigné devant Zaxa qui arrivait dans l'église rue de la Réunion hein, dimanche passé. Hein, l'église en tant qu'institution sacrée, douée, jeune protection toute société. Hein, président réseau à pasteur Disney Saint-Pierre rappelé bon diable pour juger Bandio. Défenseur Douamounio a demandé autorité judiciaire et policière prête disposition pour s'en suspendre coller dans le pays à Padalma des populations mobilisées. Un côté pasteur destiné Saint-Pierre dans micro Jean-Philippe Masser. Les protestants pour défendre les humains, les sentis indignés, consternés, choqués par l'attaque criminelle ça qui fait dans la première église baptiste Port-au-Prince, côté le Jack Silner Lafaye, mourit et madame né kidnappé. Les protestants pour la défense des droits humains dénoncé et condamné une fois encore à craper le ça qui fait sous l'église mondiale et sous peuple haïtien pendant la présente sympathie à famille Jacques-là et solidarité à membre de l'église baptiste en général. L'église est une institution sacrée, morale qui a prêché parole de Dieu. L'église prêche salut pour tout le monde. C'est une institution que le monde doit respecter et protéger. Ses affaires, bon Dieu, les. Cependant, nous devons faire tout le monde connaître. Mon pape attaque l'église sans pas payer ça. Les protestants pour défendre les droits humains l'ont demandé à monde qui a fait Zach Sayo dans le pays. Pour suspendre massacrer la population haïtienne, pour suspendre détruire le pays. C'est honteux, raide des lâches, ça n'a fait, monsieur. Traiter frère nous comme des bêtes, pour nous capables de joindre l'argent, torturer, yo, kidnapper, yo. Ça, ce n'est pas humain. Ça ne peut pas résoudre le problème. Si l'argent, ça ne peut pas faire non bien du tout. Connais bien, la justice divine, l'impartial. C'est la justice humaine, pas qu'à dire rien. Bon Dieu, pour demander nos comptes. Les protestants pour défense doivent humains demander à l'autorité pays de assumer responsabilité pendant d'assurer protection population. Parce qu'il y a trop de monde qui massacre dans le pays. Trop de monde mourir dans le pays. Tuer trop de monde dans le pays. Kidnapper trop de monde dans le pays. Il y a trop de femmes qui violent dans le pays sous regard passif. Autorité, ça, qui est censé là pour protéger la vie et bien nous. Et voilà, voilà, ça c'est déclaration pasteur destiné Saint-Pierre lui-même qui c'est une responsable réseau protestant qui a défendu Amounio qui a réagi après Zaxa qui fait sous divers fidèles dans première église baptiste rue de la Réunion et pendant que ravissait au même participant enlevé monde mais gagné quelques en monde là qui et j'ai une chance ça bah, les chances parce que il a décidé pas libérer Amounio et malgré la job et malgré sa femme le droit au même fait bien dit dans négociation mais gagné plusieurs nan moun yo qui commençaient joindre libération yo au moins gen trois moun qui joindre libération alors parmi tout moun qui était kidnappé sorti jeudi pour arriver en dimanche passé là qui était dans mes ravisseurs dans divers côtés en pays mais gen trois nan moun ça qui joindre libération yo
Eh bien, n'a pas les que bandio et pour hier dimanche après-midi, hein, hier lundi après-midi, pardon. Et parmi Mounsa, nous jeunes, c'est Bia Biaba et Belizer, les mêmes qui s'est employé et Service National Gestion Résidus Solides SNGRS qui jeune libération. Gagné docteur Herbie Lafrance qui est bandité enlevé en bas pompe et gasoline Turjo qui jeune la libération. Après, victime ça qui a gagné tout. Sébastien Mac Antonio Civil, monsieur qui s'était en bon, qui s'est étudiant à l'université Kiskeya. Qui est bandit et kidnappé dans rue Robin entre zone la Lue et Bois Vernat, monsieur qui est libéré 4 jours après. Mais n'a fait connaître que Sébastien, lycée et petite directrice collège à Timoun, Ravisseo, la gué et après yon journée protestation qui t'a fait dans zone nan. Côté habitant dans quartier résidentiel, ça t'a préclamé libération pour Sébastien Mac Antonio Saint-Ville. Mais jusqu'à présent, puis le monde continue à exprimer indignation. Yo dit c'est révoltant par rapport avec la question ça côté toute la Saint-Jeunin et bandi pas suspendre kidnappé moun selon ça bien plus le monde a observé et qui mandat avec autorité concernée prend responsabilité aux jeunes dédiants et docteur Jean Herbie Lafrance ainsi que frère ensemble avec frère Lee Mogène McKinley monsieur Sayo qui joindre libération docteur Jean Herbie Lafrance et ensemble avec Frère Mogène McKinley yo joindre libération hier lundi après midi que n'a pas rappelé bandi était kidnappé monsieur ça au 23 septembre passé à jeudi et bien individu ça c'est alors dans zone métropolitaine Port-au-Prince là et c'est ça information hier et c'est ça pile monde encore à demander pour que l'autre monde qui dans mes ravis sérieux pour yo capable libérer autant pris s'il plaît j'en entendais et Christland la faille qui dit que yo pas gagne un goud pour capable bay pour libérer et maman yo qui nan men ravisse après que yo fin touye et papa yo. On avance avec information concernant question et sécurité puisqu'on pile l'autre acteur yo même participant les voyou pour parler sur question insécurité en dans pays. C'est diverses réactions qui a fait dans société en sous dossier insécurité. Porte-parole secteur démocratique populaire a exigé démission Léon Charles dans tête PNH qui d'après secteur paraît incapable. Mais André Michel Coelion Chalte doit démissionner depuis après assassinat Jovenel Moïse. Il n'est pas même qu'à sécuriser. Le porte-voix secteur démocratique longe doit être sous régime PHTK qui d'après lui responsable Zak violence par rapport à la cointention à Kabadi. En côté, maître André Michel Namiko Jean-Philippe Massier. Et nous tous nous connaissons que notre pays Haïti a été gangstérisé pendant les 10 dernières années. PHTKiste. Jovenel, yo tout, Martin, Jovenel Moïse, la politique qu'ils ont appliquée dans ce pays pendant les 10 dernières années, c'était une politique criminelle. C'était utiliser gang yo pour prendre contrôle quartier populaire. Nous tous nous connaissons, c'est Jovenel qui défait Genève. Bon, on ne peut pas parler mal des monde qui mourit, mais il faut toujours dire la vérité. Ça veut dire qui ça? Ça n'a vive la jodie, hein? C'est la résultante de la politique criminelle qui a été menée dans ce pays par l'équipe PHTK et alliés. Et aujourd'hui, nous demandons que des changements puissent se réaliser au niveau du leadership de la police nationale d'Haïti. Et pour son PAM comme citoyen, pour nous comme citoyens, pour nous comme avocats, il est évident que le leadership de la police nationale d'Haïti a failli à sa mission de garantir l'ordre public. Pas aucun problème avec M. Léon Charles. D'ailleurs, je ne le connais même pas. Beaucoup j'aime rencontrer 11 jours dans la vie. Je n'ai pas un problème personnel avec. Mais la vérité, c'est que ça fait un bon bout de temps, depuis qu'il dirige l'institution policière, il a totalement failli. Il n'a pas pu mettre de l'ordre dans la cité, il n'a pas pu protéger les citoyens. D'ailleurs, même Jovenel Moïse, il n'a pas de protéger. Et depuis le sang, en principe, il aurait dû donner sa démission. Parce qu'un chef de la police qui n'arrive pas à protéger le président, même s'il est un président de facto, c'est un chef de la police qui ne peut protéger personne. Si Léon Charles n'a pas protégé Jovenel Moïse, il va même avec vous, il va le protéger. Bref, il faut des changements au niveau du leadership de la police nationale d'Haïti. Et M. Ariel Henry, Premier ministre, doit assumer ses responsabilités. D'ailleurs, l'accord du 11 septembre 2011-2021 pour une gouvernance apaisée dit très clairement qu'il faut gagner de changements, il faut gagner trois lettres, il faut gagner un coup de balai qui est fait au plus haut niveau de la police nationale d'Haïti, qui prend responsabilité. Nous condamnons ça à passer, hein?
Parce que le pays a pris en otage et des groupes criminels qui ont toujours été et qui sont encore à la solde de cette équipe qui a dirigé le pays pendant 10 ans, qui continue de créer le chaos dans ce pays. Il faut mettre de l'ordre et me dire non bagaille. Plus gros mal qui est arrivé au pays d'Haïti, c'est si c'est même Mounsaïo qui vient reprendre le pouvoir encore. Ça veut dire si qu'on y a. Il y a une prochaine élection qui a bien pour faire. Si le pays a 1000 chefs gang, 1000 assassins, 1000 criminels, l'a multiplié par 100, et a dit qu'il a bien 100 000. Voilà la responsabilité de la population. 6 heures. Voilà la déclaration, M. André Michel, qui est ancien sénateur Yuri Latortue, qui exprimait chargé le gain devant remonter Zaka kidnapping. Non, l'idée AAA croit insécurité a franchi l'autre étape. Les bandits ont décidé d'attaquer l'église. En ce moment, a fait qu'on est gouvernement Ariel Henry a responsable de tout ça qui a passé là. Façon continue à têter langue avec Gangio, même si ça t'est sous administration Jovenel Moïse. Non, Yuri Latortue, mandé population à réveiller en écouter l'idée AAA dans le micro. Roman et samedi. Mais là, je suis dans la terre, même si je ne suis même pas chrétien protestant, même si le dimanche, c'est quelqu'un qui était dans la carte chrétienne, même si on a là, oui. Dès qu'on participe à l'école du dimanche, ils sont côté clés en pile valeur pour les gens arriver à attaquer en bas, balayer, en aiguille, combien de fois, deux fois, là, la moune, les tuer, et par pasteur, les kidnapper, madame, là, sont des choses intolérables, inacceptables. Même si pas famille, mais mes amis, premièrement, ce sont des chrétiens. Deuxièmement, c'est des haïtiens pareils. Troisièmement, qui ça moune sa gueule ou a pu demander le corps pour ça, ou tuer Marie ou demander le corps. Ceci est inacceptable. Mm-hmm. Et je pense que ça arrivait là, et au manège, dans sa nouille là, je vais dire la semaine dernière, c'est que nous tenons banditisme d'État. Mm-hmm. Dans banditisme d'État que nous avons, immédiatement qu'après la mort Jovenel, eh bien, on te voit que tu gagnes sans te carrer en route ainsi. Nous avons gardé, nous avons ouais exactement qui ça va le faire. Tu es un calme apparent. Étant donné que, au lieu que l'État, eh bien, l'Iran m'a assez figé pour le bon plan pour l'attaquer, monsieur. Eh bien, on a pile monde dans l'État choisi pour y recommencer à faire deal avec les qui n'ont gagné. Et on vient voir que les eh bien, pour le moment, ils viennent prendre de l'ampleur et ils commencent à fonctionner même genre. C'est-à-dire que c'est même bagaille qui était là avant quand pour commencer. Mm-hmm. Et orientation pour ta faire, pour ta dire, eh bien, nous camper pour nous combattre, ce n'est pas le fait, sont l'autre bagaille qui est adapté. Et ça fait que nous, notre situation, grave ça. Parce que si l'État prend l'autre orientation, nous va foutre la donne. Si l'État adopte un plan, même si ce n'est pas plan, pas plan, pour que tu bailles moyen, tu te fais changement qui est nécessaire, nous ne pas taper dans ça, je vous dis. Parce que ce qui a passé là, ce n'est pas un bagage qui est impossible à résoudre, c'est parce que justement l'État que nous avons là, les continue à comporter, non jovenelis, change jovenel, c'est les mêmes méthodes, les mêmes deals. Qui te continue à faire avec gang, c'est même bagage qui continue à faire, c'est bah même importance là, qui fait que Jodia, eh bien, yo reprend du poil de la bête et y a valé terrain sous population, alors que t'es un l'autre politique qui t'a fait. Mm. Et c'est peut-être ça nous dit que Jodia, ça a passé, y a première responsabilité à. C'est l'État ça qui l'a, qui pas su adopter l'autre politique, qui pas su font consensus pour que nous adoptions l'autre comportement. Solution pas possible avec l'équipe Ariel Henry, d'après le sénateur Yuri Latortue qui m'a dit population levée capé pour demander un consensus pour gagner l'autre État. L'idée a été profiter et protection sous sécurité. L'idée promet tout de suite après le départ Jovenel Moïse. Ce sénateur a fait qu'on est toujours disponible pour porter solution à problème sécuritaire. Mais malheureusement, autorité qui n'a pas montré volonté pour crise la résoudre en côté une autre fois Yuri Latortue. Pas de changement comme ça. Et au malaise, pas de nous. Réunion à parler de sécurité, n'est-ce pas? Son détail qui est sur sécurité à y et que on nous passe sur l'autre bagaille. Moi, dis n'est-ce pas? Comment faire ces détails là? Tout pays à là en otage, oui. Parce que si nous parlons de question sécurité, à la grande café, non, comment on parle de Timon à l'école? Comment on parle de famille ça? L'église, et bien, n'est-ce pas? Tomber à Bible dans le comment rendre ça? C'est toute valeur pays à attaquer. Moi, pense que l'État, j'en nous toujours dit nous disponible, j'en nous toujours dit nous parler, et bien, moi, pense que. Il y a pile l'autre monde comme ça qui paraît, mais l'État doit prendre l'autre ligne. Il faut la population commencer à prendre conscience pour dire que l'État ça a démarqué le gang, il fait travail. S'il n'a pas fait travail, il retire l'école là. Mm-hmm. Et la population m'a dit un consensus pour que quand il y a l'autre monde qui est dans la tête de l'État ça, qui a pris responsabilité, parce que dans ça nous y est là, c'est pas un cas de la nation, il y a résoudre dès que nous prenons responsabilité. Yep.
Nous avons toujours été avec ce sénateur Yuri et la tortue, côté responsable AAA, main d'opposition qui intégrait gouvernement Ariel Henryan, mettez conso dans taille pour forcer gouvernement ça bail résultat. Sinon, il y a bail PHTK raison sous yo. C'est raison ça qui fait pas signer accord Ariel Henryan. Nous avons cité Yuri la tortue qui main d'opposition lui-même ressaisit. En côté toujours dans micro Romanès samedi. M'a dit toute frame qui était dans opposition toute semaine. Moi-même, j'ai une divergence avec eux dans ce sens-là. Parce que si nous rentrons dans le pouvoir, il faut avoir des résultats par rapport à ça, nous devons dire. Et pour le moment, moi, je pense que dans pile dossier qu'il a, question de grand groupe, pouvoir d'achat, il y a plein de temps. Parce que dans pile dégâts qui ont été faits. Mais question sécurité, moi, je pense que c'est le primordial. Si nous résolvons la question sécurité, nous attendons l'autre question. Yo. Mais si nous ne résoudons pas, eh bien, c'est extrêmement difficile. Et c'est peut-être ça, m'a dit à toutes frères et sœurs qui étaient dans l'opposition, réfléchis sur les gestes opposés. Hein? Parce que si à l'entrée dans le gouvernement et qu'il n'y a pas de résultat, le ça, eh bien, il y a des autres raisons sous eux. Et moi-même, c'est peut-être ça, m'a pas signé à quoi. Parce que je ne parle pas que à quoi pour permettre une rentrée, non pas que je le travail, que je le résultat. Parce que moi-même, moi, quand on si m'entre dans le gouvernement, pas de résultat, moi, pense que m'a obligé de retirer comme, parce que si m'entrer, c'est pour m'bailler résultat, parce que m'a pas entrer pour l'autre bagaille. Donc, dans ce sens-là, moi, d'accord, et moi, bon divergence, que m'assumer avec frère Assem qui était dans l'opposition, que m'a pas rentrer dans le bagaille si m'a pas eu un résultat. Et dans ce sens-là, moi, m'a dit, réfléchir, pour regarder position, pour qu'à comprendre que je dis, il faut nous faire un premier consensus pour nous retirer l'État ça dans bandi, un deuxième consensus pour les gens qui sont capables de nous résoudre le problème sécuritaire. Cette question de transition de rupture, mon Dieu dit pas un bail comme ça encore. Eh bien, transition de rupture, là, on a toujours dit qu'il faut faire étape par étape. Mais il faut commencer par ça qui est important. Si je dis qu'on a de sécurité, comment on a faire, eh bien, mettons un plan économique sous pied. Si je dis qu'on a de sécurité, comment on a faire assainir l'administration là? Puisque, eh bien, chaque problème qui est posé, eh bien, on t'en dit dans telle institution, on a kidnappé ces grèves. Si je dis qu'on a de sécurité, comment on a faire, dis, entamer vraiment de procès et sous Petro-Caribé, Dermalogue et Latrier? Moi, je crois que le premier pas dans cette transition de rupture est le rétablissement de la sécurité. Mais le premier pas dans le rétablissement de la sécurité, c'est fait consensus ça pour que l'État qu'a démarqué le gangyo. Jusqu'à présent, l'État ça pas démarqué le gangyo. L'État servit à gangyo le besoin et gangyo servit à la population le besoin, qui fait que la victime c'est la population. Information après possible sur l'égalité Ariel Henry pour évoquer Léon Charles. Mais attendez, Michel expliqué chef gouvernement gain légitimité. Accord politique 11 septembre dans Bali pour le décider dans place président. Porte-parole secteur démocratique a été profité, minimiser décision. Secrétaire général palais national là, Lionel Valbrun, qui était rappelé Ariel Henry Paguedo a fait publier à quoi ça dans le journal Le Moniteur. André Michel fait connaître suite à l'assassinat Jovenel Moïse là. Secrétaire général palais a pas rien encore. En côté, mais André Michel Namiko Jean-Philippe Massia. Pour les attributions de M. Ariel Henry, est-ce qu'il a révoqué Léon Charles, est-ce qu'il n'est pas capable? Qui est-ce qui a signé l'arrêté qui nomme actuellement une justice en place pour Pierre Vincent? Qui est-ce qui a nommé M. Joseph Pierre-Louis comme secrétaire général du Conseil des ministres en remplacement de M. Libérus? C'est Ariel Henry. Cela veut dire quoi? Nous sommes dans une situation exceptionnelle et l'accord politique donne une provision spéciale à M. Ariel Henry pour agir en ce sens. Oui, il peut et oui, il devra le faire. Parce que nous ne sommes jamais capables de quitter le pays abrasé, et puis Léon Charles n'a pas osé, et puis il n'est pas capable de garantir la sécurité des citoyens. C'est ça. Maintenant, en ce qui concerne Valbrun, on n'a plus de pitié pour lui. Tu vois, on n'a plus de pitié pour lui, il ne comprend absolument rien. Je me demande est-ce qu'il n'a pas perdu le Nord. Il ne comprend rien. Il y a des gens qui disent que c'est secrétaire à la présidence. Que ce conseiller président n'a pas parlé. Mon président a mouru et puis voilà, ça n'a aucun sens. Et moniteur passe sous responsabilité. Le président a mouru et puis la lui-même, il dit au chat.
Mon opposition troisième, mouvement opposition troisième circonscription Port-au-Prince nan, exige présence l'État dans différents quartiers populaires. Bill Katia Thomas, une responsable strictiste, a rappelé ses devoirs autorités dans l'État pour prendre responsabilité pour capable créer conditions pour population vive, établir sécurité en deux pays, créer travail, mettre l'école à centre professionnel à disposition un citoyen. En côté Bill Katia Thomas, dans micro collaborateur nous je bel amour. Là nous considérer tout ça qui a passé mal dans le pays a, et spécialement en dans troisième nan. Côté insécurité a blaï dans tout quartier populaire, moun a mouri, kay a crasé, l'école pas ka fonctionner, l'église fermé porte yo, ti machin pas ka sorti al dégager yo. Marché public fermé, porte l'hôpital fermé, tout moun aux abois sans présence l'état. Dans nouvelle Haïti ça mon trois mandé présence l'état dans tout quartier populaire yo. Yon l'état fort, peuple a fait confiance qui pral bail la santé, éducation, sécurité, justice, résoudre la vie chère, créer emploi pour jeunesse qui quitte pays à chaque jour à prendre déception dans l'autre pays. Ces responsabilités yon l'état fort. Tout le monde concerné dans le pays a, dans ce qui a passé en deux quartiers populaires yo, c'est devoir l'état pour prendre responsabilité pour chita à tout le monde. Pour nous joindre une solution pour le pays. Motoa a fait nègre qui a meilleur songé. Déclaration Dimitri.